Bonjour à tous les aliens, mon nom est Spik. J'espère que tous les petits aliens de ma chaîne YouTube se portent très très bien. Parce qu'on va parler les gars, ça va super bien. Comme d'habitude, super content encore aujourd'hui de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo de news et de leaks sur Fortnite. Et vous savez très bien qu'on a toujours des informations super super intéressantes qu'on a trouvées dans les fichiers de jeu. Du coup voilà, on va directement commencer avec toutes les informations super super intéressantes. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu si celle-ci vous plaît. Et si vous avez la hype qu'elles arrivent dans le jeu. Et nous on va y aller directement maintenant. Alors maintenant les petits aliens, on va directement commencer avec l'information la plus intéressante de la vidéo bien évidemment. Ici voilà, je vous affiche un petit fichier du jeu qu'on a trouvé, c'est vraiment quelque chose de super super intéressant. C'est que bientôt on va peut-être pouvoir créer nos propres skins. Voilà, vous pouvez voir un petit peu sur l'image, sur la vidéo que je vous affiche, que le gars il est en train de créer son skin etc. Du coup c'est vraiment quelque chose de vraiment super super énorme. Peut-être qu'on pourra faire des mélanges de certaines caractéristiques de skin avec d'autres etc. Ça pourrait vraiment être quelque chose de vraiment très 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 bien. En tout cas moi je me réjouis énormément que tout ça arrive pour voir un petit peu en gameplay. Alors maintenant on continue avec une petite rumeur qui dure depuis pas mal de temps sur Twitter. Voilà, c'est tout simplement que bientôt on pourrait tout simplement avoir un nouveau matériel après le fer. Voilà, c'est tout simplement le matériel or. Du coup voilà, c'est un matériel qui sera encore plus rare que le fer, le bois et la pierre. Voilà, tout simplement c'est vraiment quelque chose de super super stylé. À mon avis il sera encore beaucoup beaucoup plus puissant et beaucoup plus résistant. Du coup franchement je me réjouis énormément de voir ça si ça arrive en gameplay. Je vous rappelle maintenant qu'il ne reste que 11 jours à la saison 1 du chapitre 2. Voilà, franchement, on se réjouit tous énormément qu'il y ait un nouveau pass de combat, une nouvelle saison, etc. Et bien sûr, le final du chapitre 2, voilà, qui arrive, enfin, de la saison 1 du chapitre 2, bien sûr. Franchement, ça met toujours vraiment beaucoup, beaucoup la hype. C'est très bien qu'on a déjà trouvé des petits indices, etc. Du coup, franchement, je me réjouis énormément de voir la suite. Alors maintenant on continue dans les fichiers du jeu avec un petit skin vraiment très 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 mystérieux qui est dans les fichiers depuis longtemps longtemps, qui aurait déjà dû sortir. Voilà, c'est le skin que je vous ai affiché ici. Voilà, il est vraiment très 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 mystérieux. Ça fait déjà depuis la saison 10 qu'on le prévoit sur Fortnite, mais il est toujours pas sorti. Voilà, c'est vraiment très 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 bizarre. Et voilà, il est dans les fichiers du jeu. Peut-être que bientôt il sera dans la boutique. En tout cas, moi je tiens au courant dans les jours qui suivent sur la chaîne YouTube. Encore dans les fichiers du jeu, je vous affiche tout simplement l'espèce de petite bombe nucléaire qui a été trouvée. Voilà, quelque chose de vraiment assez mystérieux aussi. Ce serait vraiment bizarre qu'il y ait une bombe nucléaire qui arrive sur Fortnite. Vous pouvez voir ici que dans les fichiers du jeu, eh bien voilà, c'est apparu. Et du coup, on ne sait pas du tout ce que ça veut dire. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires parce que moi, je suis un petit peu perdu par rapport à ça. Alors maintenant, petit tableau que je vous affiche ici, voilà, tout simplement, c'est tout simplement un petit tableau qui recense un petit peu tous les items qui sont dans les fichiers du jeu pour le moment, pour la mise à jour 11.50, voilà, qui vont bientôt sortir sur Fortnite. Du coup, franchement, si vous en voyez certains qui vous plaisent, n'hésitez pas à rester connecté sur le jeu parce que voilà, ils vont bientôt sortir dans la boutique. Du coup, franchement, n'hésitez pas à rester connecté pour sauter sur les occasions. Alors maintenant, avant de terminer la vidéo, je tiens simplement à vous présenter le skin qui a été introduit par Fortnite aujourd'hui dans la boutique. Il s'agit tout simplement encore d'un petit skin Saint-Valentin, voilà, qui fait vraiment plaisir, plaisir. Vous pouvez voir un petit peu les petits thèmes, etc., les fonds d'écran, etc. Donc franchement, très, très, très stylé. Vous savez très bien que ce skin-là, je vous l'avais déjà leaké il n'y a pas longtemps dans les petites vidéos. Donc franchement, n'hésitez pas à sauter sur l'occasion si jamais vous avez envie de vous les procurer, parce qu'il est là pour une durée limitée. Donc voilà les petits aliens, c'est la fin de ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ce petit leak du chapitre 2 vous ont mis la hype pour la suite parce que moi j'ai énormément de voir un petit peu tous les petits leaks etc. arriver dans le jeu en gameplay. En tout cas n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu si c'est le cas pour vous aussi, et n'hésitez pas aussi le plus important bien évidemment à vous abonner à ma chaîne YouTube parce que vous savez très bien que toutes les informations de leaks et de news se trouvent sur ma chaîne YouTube. Du coup si vous voulez toujours rester 100% informé de la situation sur Fortnite, la meilleure chose que vous avez à faire c'est vous abonner et jamais vous nous prêtez aucune information. Du coup les gars c'était Speakeasy, je vous dis à la prochaine pour plein d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. À la prochaine les aliens.